Bonjour à toutes et à tous. Chérif Abdallah, président de Goa. Aujourd'hui, j'ai un message adressé au colonel Doumbouya, président de la République de Guinée, président du CNRD. Mon colonel, je vous remercie pour avoir cassé le monopole du commerce, surtout des denrées alimentaires et des matériaux de construction en République de Guinée. Comme vous le savez, depuis le 5 septembre, lors de la prise du pouvoir par vous-même et le CNRD que vous dirigez, le GOA était la première organisation en République de Guinée, à travers ma personne, à vous soutenir, à soutenir le CNRD, en invitant l'ensemble des opérateurs économiques de vous soutenir et soutenir la transition pour qu'on ait une transition réussie et apaisée. Suite à ça, moi-même, en tant que président du GOA, j'ai fait une grande tournée en République de Guinée, des rencontres des opérateurs économiques partout dans le pays, dans les grandes villes, et dans certaines aussi préfectures et sous-préfectures même. Tous ont revendiqué la même chose, de transmettre le message au président de la République, président du CNRD, pour leur demander que ces monopoles soient cassés, pour interrompre la concurrence déloyale entre les opérateurs économiques. Aujourd'hui, ces choses faites, nous vous disons merci. Deuxième message que je vais adresser à l'ensemble des opérateurs économiques de la Guinée. Nous avons adressé un courrier aux autorités de notre pays. Ils ont accédé à notre demande pour casser le monopole. Ce message, c'est de vous demander non seulement la concurrence loyale, mais aussi de respecter la qualité et la norme. Importer de bonnes choses, faites des efforts pour que les prix soient bons, pour que les prix soient raisonnables, pour que les prix soient vraiment accessibles à l'ensemble des citoyens de notre pays. Troisième demande, c'est à la douane. Nous demandons à ce que les tarifs douaniers soient réduits, surtout pour les denrées alimentaires, pour soulager les populations guinéennes qui ont trop souffert, qui sont en train de souffrir. Nous sommes tous des pères de famille. Nous sommes tous des consommateurs. Et le peuple de Guinée a besoin de nous. Le peuple de Guinée a besoin à ce qu'on se donne la main. Les autorités de notre pays et les opérateurs économiques pour vraiment que la consommation des populations soit vraiment accessible à tous pour que le panier des ménagères, que le Guinéen dise tout court, Alhamdoulilah.